17h04 avec nous en visuel Maude Belval. Elle est présidente du conseil de l'Association des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Bon après-midi, Madame Belval. Bonjour, bon après-midi à vous aussi. Ça va bien, Madame Belval? Ça va très bien vous-même? Oui, ça va très bien. Qu'est-ce que ça fait une présidente de l'Association des créatrices et créateurs de contenu? En fait, c'est présidente du conseil d'administration, donc c'est sûr que c'est tout ce qui est plus en surface là, au niveau du conseil d'administration. L'association, elle est nouvelle. Elle a été annoncée il y a 2 semaines. Okay. Donc, pour l'instant, on est vraiment en train de bâtir les meilleurs services possibles pour les futurs membres. Pour les futurs membres. Alors, les médias sociaux vous intéressent beaucoup. Vous avez à peu près l'âge de Facebook, n'est-ce pas? À peu près l'âge de Facebook. Et comment vous pouvez, aussi jeune, apprécier ce que Facebook est? Ce que Facebook est, oui, vous comprenez très bien, mais l'évolution de Facebook en 20 ans. C'est intéressant de voir l'évolution justement de cette plateforme-là à travers les années, aussi la façon qu'elle évolue encore aujourd'hui. Elle était utilisée d'une certaine façon il y a quelques années, maintenant elle est utilisée d'une autre façon et aussi avec les différentes générations, elle n'est pas utilisée de la même façon, cette fameuse plateforme-là qui a 20 ans aujourd'hui. Donc c'est vraiment pertinent de voir un petit peu l'évolution de celle-ci. Oui, et qu'on le veuille ou pas, c'est la plateforme la plus populaire du web, n'est-ce pas? Bon, il y a l'autre X qui est très populaire, mais en termes d'utilisation par monsieur et madame tout le monde. Oui, ça reste encore la plateforme qui a le plus d'utilisateurs dans le monde entier. Qu'est-ce qui explique cette popularité? Je pense que, étant donné que c'est le premier réseau social qui a existé, en fait, les gens ont tous presque un compte Facebook. On le voit chez la nouvelle génération maintenant, ils n'ont pas tous un compte Facebook, mais les gens de la génération un petit peu plus, si on parle de 50, 60 ans et plus, se sont joints également à Facebook dans les dernières années. Donc, c'est le réseau social de choix là, pour certaines générations. Donc, il y a beaucoup de raisons. Je pense que dépendamment de la génération, les raisons sont différentes également. Mais le tape à l'œil, c'est quelque chose qui traverse les générations. Je vois votre génération est aussi tape à l'œil que ma génération. Donc, ça aide Facebook à permettre à autant de gens de générations différentes à se montrer sous leur meilleur jour. Je pense que c'est ça qui fait beaucoup la valeur de Facebook auprès des utilisateurs. Oui, mais je pense que Instagram est une plateforme encore plus populaire pour le côté que vous venez de mentionner, justement, de se mettre un petit peu de l'avant, entre guillemets. Instagram est très populaire en ce moment aussi chez la jeune génération. Et dans le fond, Facebook, justement, les gens l'utilisent un petit peu peut-être à différents buts. On utilise, par exemple, Marketplace ou les pages d'entreprise sont beaucoup utilisées. Par exemple, dans l'association des créateurs et créatrices de contenu, on a l'événement Gala Influence Création et on n'a pas de catégorie créateurs sur Facebook. On a catégorie créateurs sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube, mais Facebook n'est pas une catégorie qui fait partie du gala pour plusieurs raisons, mais entre autres que les créateurs de contenu, il y en a quelques-uns qui sont actifs sur Facebook ou qui ont débuté avec Facebook, mais c'est pas une plateforme de choix en ce moment pour les créateurs de contenu. Ça veut pas dire qu'ils l'utilisent pas, mais pour venir bâtir une audience et venir interagir avec leur communauté, c'est pas le premier choix des jeunes créateurs de contenu. Quand on me parle de créateurs de contenu, vous voyez, moi, je suis au moins 3 à 4 générations par rapport à vous. Moi, je me dis, le contenu, c'est tout ce que j'écris sur Facebook ou sur une plateforme quelconque. Et je vois n'importe quel type de contenu, des contenus à valeur plus 1, tout comme des contenus à moins 15, n'est-ce pas? Et on voit tout ça sur Facebook, sur la même plateforme, l'un qui côtoie l'autre sans distinction. Est-ce que ça a une valeur démocratique, cette façon de faire? Plutôt que d'être élitiste.
C'est une bonne question. En fait, pour définir un petit peu ce qu'on qualifie, entre autres, de créateur ou créatrice de contenu, c'est quelqu'un qui va faire du contenu dans un objectif ciblé avec l'audience, qui va passer plusieurs heures à que ce soit des vidéos, mais c'est du contenu qui a été réfléchi avec un certain scénario et qui va venir justement peut-être éditer un petit peu la vidéo. Ce qui arrive, c'est que Facebook, il y a deux façons d'avoir un profil sur Facebook. Donc, c'est le profil personnel, qui a un maximum de gens avec qui on peut devenir amis. Et la page entreprise, en fait, que là, souvent, les créateurs peuvent opter pour une page entreprise. Mais ça aussi, au niveau de la visibilité, malheureusement, Facebook, c'est pas la plateforme qui va offrir le plus grand niveau de visibilité si on ne met pas nécessairement d'argent en dépenses publicitaires. Donc, c'est pour ça que les gens vont choisir quelque chose comme TikTok ou Instagram, là où le contenu est plus visible à un plus grand nombre d'utilisateurs par rapport à comment l'algorithme est fait, en fait. Mais avec une telle attitude, une telle politique, où est-ce qu'on voit Facebook dans 20 ans? Est-ce que Facebook va exister 20 ans plus tard? C'est une très bonne question, puis c'est pas la première fois que je me fais poser cette question-là, puis je pense pas qu'il y ait de réponse à ça parce que je crois que la façon de consommer les réseaux sociaux va complètement évoluer avec l'implémentation de l'AI. Est-ce que les réseaux sociaux vont être utilisés de la même façon que maintenant dans 20 ans? On parle les nouvelles articles qui sortent en ce moment avec les implémentations de puces par Elon Musk et tout ça. Donc, est-ce que la façon de voir le contenu va être avec du VR? Il ne sera pas nécessairement sur un ordinateur ou un téléphone. Je pense que ça va grandement évoluer. Donc, il n'y a pas de réponse précise à ça. Je crois que ça va rester une plateforme qui va être utilisée, mais la façon de l'utiliser va être vraiment différente. Et puis le côté affaires de Facebook, honnêtement, il y a eu avant-hier, lorsque c'était le jour, je pense, anniversaire vendredi de Facebook, il y a un présentateur, un expert qui voulait me parler côté affaires Facebook. Je n'ai pas voulu parce que bon. Tout le monde gagne là-dedans. Il suffit d'être parmi les grands pour faire fortune sur les plateformes. Mais maintenant, il y a quand même la façon de faire par rapport aux utilisateurs, par rapport au reste du monde. Facebook semble, je m'excuse l'expression, se foutre du monde, n'est-ce pas? Quant au contenu, justement, quelque chose qui pourrait aider le public à évoluer, mais non, c'est l'argent importe d'abord et avant tout, et puis on laisse le monde diriger sa page comme il l'entend, etc., etc. Est-ce que c'est comme ça que Facebook et les médias sociaux peuvent faire le plus d'argent possible? Bien, c'est sûr que la façon que les plateformes se rémunèrent, c'est avec des campagnes de publicité. Donc, Facebook est une très bonne plateforme pour faire des campagnes de publicité. Je suis présidente de l'association, du CA de l'association, mais je suis aussi présidente d'une entreprise de marketing web. Donc, c'est sûr que faisant nous-mêmes des campagnes de publicité sur Facebook, bien, on le voit que c'est une très bonne plateforme dans le but de promouvoir une entreprise du côté affaires comme que vous le nommiez. Donc, pour répondre un petit peu plus à votre question, c'est sûr que les plateformes, c'est comme une seule façon qu'ils ont de se rémunérer à travers des certaines campagnes publicitaires. Après ça, est-ce que Facebook a des ressources pour si justement, si vous mentionnez peut-être qu'il y a des pages qui sont portées à faire des choses un peu du n'importe quoi là, sur les pages, mais c'est quand même possible de signaler certaines pages sur Facebook qui ont quand même des bonnes politiques mises en place sur toutes les plateformes de réseaux sociaux d'ailleurs pour prévenir, par exemple, des gens qui font de la fraude ou qui mettent du contenu qui n'est pas adapté à la plateforme ou adapté tout court, là. Maintenant que je vous ai avec moi, je vais prendre une consultation gratuite. Hein? Parfait. Consultation gratuite. Les médias traditionnels, comme la radio que je fais ici, là, versus les médias, les nouveaux médias comme Facebook, comment faire pour que ces médias traditionnels continuent à résister face à ces nouveaux médias? Sont, on le sait, beaucoup plus utilisés par les jeunes générations. Je pense que c'est une question d'adaptation, de résister. C'est sûr que c'est difficile quand on voit justement la façon que les jeunes justement utilisent les différentes plateformes, de voir comment que on peut résister à ça.
Après ça, l'adaptation, c'est sûr qu'elle est difficile aussi, mais on le voit de plus en plus. Radio-Canada sont de plus en plus présents, pour en nommer plusieurs autres, mais à travers du contenu, justement, sur les réseaux sociaux, à travers des petites short-form vidéos. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la jeune génération aime consommer du contenu de façon rapide. Peut-être des longues émissions est moins adaptées maintenant, donc on aime ça. Faire rapidement le petit swipe là, sur Facebook, sur des Reels ou sur des TikTok, justement. Donc, c'est vraiment d'adapter son contenu en conséquence de l'auditoire aussi, si on va aller chercher un auditoire qui est plus jeune. Mais définitivement, ça reste un défi de taille en ce moment. Et non seulement faire des émissions pour des plus jeunes, mais aussi domestiquer les médias sociaux. Donc, je suis non seulement média traditionnel, mais je suis dans le social également, parce que je regarde vers l'avenir. Je pense que c'est le Exact. succès qui va permettre à ces médias traditionnels de continuer à exister. Et Un n'empêche longtemps, pas l'autre. et longtemps après la mort de Facebook. Exact. Merci beaucoup, merci, merci Maude Belval, présidente du conseil d'administration des créatrices et créateurs de contenu du Québec. Merci d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.